Et moi, je ne suis pas un démystificateur, je veux dire que j'essaie de montrer les caractères, je dirais, humains qui se trouvent dans tous ces phénomènes, notamment tout cet amour que l'on porte aux stars, cette sorte de que les fanatiques ont un amour obsessionnel. Si vous voulez, ça me fait beaucoup plus penser à la phrase de Marx sur la religion. Qui rompant avec les sceptiques, les voltairiens, qui disaient que la religion c'était une invention des prêtres totalement mystificatrice, disaient non, c'est le soupir de la créature malheureuse. Et la star traduit quand même un besoin d'amour. Et ça faisait que, tout en voyant des côtés qui peuvent être infantiles ou ridicules, je trouvais quand même que c'était une part d'humanité qui quand même méritait d'être montrée sans vouloir la dégrader. Voilà.